Yo les bros, je vous ai une nouvelle vidéo. On va faire notre première attaque de forteresse, la grosse nouveauté de ce jeu par rapport à l'ombre du Mordor. Donc ça va être vraiment épique. On va vite se lancer dans cette attaque de forteresse, j'ai vraiment vraiment hâte. On m'a dit que qu'il allait avoir un nouveau personnage qui était aussi dans l'ombre du Mordor. Et que j'allais être vraiment étonné. Si t'élimines le chef suprême, le fort est à toi. Alors, qui tu comptes emmener à part moi? Alors, qui je compte emmener à part toi? Je sais pas. Commencer, mais si je fais commencer, ça lance tout de suite. Amélioration de siège. Ah voilà, c'est ça, je vais le faire. Si j'avais fait commencer, je sais pas si ça aurait commencé direct juste avec Pache. On sait rien. Donc on va prendre des meilleurs, juste avec Pache, n'importe quoi, avec Bruce il s'appelle. Voilà Bruce, Pache c'est lui, Pache je vais le prendre. Le meneur d'attaque. C'est le meilleur de mes... Ah non, bah en fait ils sont tous meneurs d'attaque. D'accord. Ah d'accord, en fait... Tu déverrouilles plus de bonhommes... Quand t'es plus haut level, d'accord, donc là je peux recruter un autre mec. J'ai envie de recruter le barde là. Voilà. Parce qu'il me fait rire quand il chante et tout. Et j'aimerais bien le mettre Overlord comme ça. Il vous fera un discours en chantant. Ça peut être bien marrant. Voilà. Mon équipe est prête. Bah attends. Amélioration. Parce que si tu peux mettre des améliorations. Comment fais-tu? Voilà. Alors. Armée de sauvages. L'armée en attaque est soutenue par des sauvages. Des troupes d'assaut au milieu de hache, ok. Des chasseurs. Des défenseurs. Toi tu vas voir des sauvages. Et puis toi... Ah d'accord, ça change. L'armée en attaque ultime. Des bêtes de siège qui font subir aux chefs de guerre et à leurs sbires, ok. Bêtes de siège toxiques. Ouais, on va faire des bêtes de siège... Ça c'est quoi? Qui projette une pluie de destruction ardente et les murs de la forteresse. Ouais, c'est pas mal ça. On va faire ça. Voilà. Hop là, commencer. C'est parti. Ouais, si j'aurais quelque chose à commencer, au final, j'aurais commencé qu'avec Bruce. Autant faire avec le plus de d'attaques possible. Oh, c'est stylé. J'ai tellement hâte. Yes. Tribu fauve. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement beau. Tellement jouissif. Waouh. Ça fait peur, hein. C'est grand quand même. Hein. Ok. L'Overlord, c'est lui. Ok, lui il parle pas français. En fait, j'en comprends pas un mot. Cette langue, c'est le frérot. Et à mon avis, il disait, vous allez crever à tous. Je m'occupe du chef suprême. Concentre-toi sur les défenseurs. T'entends quoi, Marc? Mais cette pote, il parle pas? Apparemment, non. Bon, tant pis. J'espère qu'ils vont pas mourir... mourir en pleine bataille, ce serait con. YOLO! Attaque! Oh, c'est tellement beau. Tellement content. What? Oh non, le bird, mais il est mort! Oh non! Oh, dis donc, moi qui voulais le mettre Overlord. Oh, je suis deg. Oh non! Victime d'hémorragie, mais quel faiblard. Hop là. Ok, ok. Bon, allez. C'est parti. What the fuck? Bute le seigneur court
Trahison, what the fuck, c'est quoi ça? C'est qui, c'est un de mes héros qui m'a trahi? Ou non? Je sais pas. Ce fort est à nous, et aucune pourriture d'homme ne pourra nous le prendre. Lui c'est le chef de guerre, je crois. Hop là. Ah, j'aime. What the fuck? Bon, lui. Ok, bah, je vais te traîner direct, toi. Oh merde, 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 merde. Je peux pas le. Je peux pas le dominer, ce bâtard. Toi. Je ne te laisserai pas prendre ce fort. Je ne te laisserai même pas repartir d'ici sans t'avoir au moins estropié. Ok, mec. Oh. C'est que ça, tu vas crever, hein. Non. C'est bon. Ça me fera. Ah non, je... ah si, je peux recruter. Voilà. Ça me fera un euro de plus. Comptez sur moi, et sur moi. Restez se battre. Je te tiens, voilà. Paf. Une épée. Plus 4. Hop. Ça va m'être utile. On m'a dit aussi de supprimer les. De supprimer, bah de vendre les trucs que j'ai déjà. On va faire ça. Je vais faire ça plus tard. Mais oui, je vais le faire. Comme ça, ça va m'apporter plus de... plus d'argent. Hop, premier point capturé. C'est qu'ils sont du beau matos. Je vais peut-être me prendre une épée. Il me faut un nouveau cure-dent. Le mec, il parle dos à la caméra. Allez, c'est parti. Hop, du tir d'elfe. Un allié est tombé, trouvez-le pour les ranimer, d'accord, ok. C'est qui fait tomber? C'est celui-là que j'ai... C'est celui-là que j'ai... Oh non, c'est... Ah non, c'est... D'accord, c'est lui. Ok, bah... T'es avec nous maintenant. Putain, le bard, il est mort, quoi. Un mec, je plaçais tous mes espoirs en lui... Je le vendais trop bien et tout, et puis le mec, il meurt avec une explosion de merde. J'hallucine. Oh, j'essaierai d'en retrouver un autre. Yup. Il flippe sa mère, hein, tous les orques. On avance assez vite. C'est cool. Ça, je sais pas c'est quoi, ça, le truc de dragon. Hop, tu fais ça, hop, tout est... What the fuck? L'assistance m'a... m'a dirigé par là-bas, mais j'ai pas voulu. Merde, je tape un de mes potes, ça va pas le faire. Putain, c'est tellement rapide que je peux déjà capturer le point, quoi. Y'a même pas de capitaine qui vient me faire chier. Pénétrer dans le donjon. Ok. J'adore conquérir des forts. Quand celui-ci sera à toi, il te faudra un suzerain. Je te propose ma candidature. Bah ouais, Bruce. Son potentiel est presque illimité. Je pense que Bruce serait un bon overlord. En tuant le chef suprême, on enverra un message dans toute la région. Un message qui... Ouais, je laisse même pas finir Talion de parler, moi. Je suis comme ça, je rentre comme ça, moi. Sans frapper. Alors, quel personnage de l'ombre du Mordor qui revient ici? Va-t-il venir par là? Apparemment, c'était un orc à deux têtes qui était là. Là, c'est pas un orc à deux têtes. Cette forteresse appartient désormais au Seigneur de Lumière. Il viendra peut-être après. C'est peut-être pas ce moment-là. Ah, j'entends rien avec ce truc. Ah si, c'est ça. C'est lui. What the fuck?
Je savais que je la connaissais, cette voix. Ratbag. Ratbag. J'en ai des choses à te raconter, mais par où je commence? Par ta mort, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Quand le marteau m'a frappé? Rien de plus qu'une petite migraine. Si tu veux tuer un Uruk, tu dois lui trancher la tête. Ça marche à tous les coups. Bon, enfin bref, je sais pas, j'ai toujours un doute à ce sujet, en fait. Oh, ça marche à tous les coups, Ratbag. Tu veux une démonstration? Bruce. Bienvenue. L'humain est un ami. Mais l'Holog, surveille-le. Empêche-le de faire quoi que ce soit de suspect, comme me tuer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Des esclavagistes m'ont capturé. Enfin, esclavagistes, plus deux cannibales et un nécromancien. De braves gens, ils ont eu cet Holog. Oh, salement amoché. On partageait une cage jusqu'à ce que moi, je nous fasse évader. Là, l'Holog bondit, ça gicle dans tous les sens, et nous voilà. Hein? Copain comme cochon. Muranam Kirindu Rahanuk. Oui, il faut que je leur explique pour le fort, merci bien. C'est un peu long comme histoire. Rodeur a tué l'ancien chef suprême, maintenant c'est chez nous. Rodeur? Oh, ouais, je lui ai donné ton nom. Quel honneur. Bon, les retrouvailles, ça va deux secondes. Mais le Seigneur de Lumière et moi, on vient vous dire que le fort est à nous. Seigneur? Ben, Seigneur de Lumière, fais donc. Tous les deux, on en a marre de jouer les chefs suprêmes. C'est un pénible. Il faut nourrir ses partisans, entraîner ses partisans, tâcher de pas se faire tuer par ses partisans. Ouais, c'est vraiment la Shrek. Oh, ben tes soucis sont terminés. C'est moi, le nouveau chef suprême. Non. Non. Pas toi, n'importe qui sauf toi. Tout ce que tu voudras, Rodeur. Rodeur et moi, on s'en occupe. Rodeur, c'est qu'on s'y perd, pas vrai? Enfin, bref. Bruce doit pas devenir chef suprême! Zupakin. Moi, je bosse pas pour ces deux-là, je te le dis, sans détour. Eh ben, ça tombe bien, figure-toi. Parce qu'en ce moment, on ne recrute pas des... Ne fais pas attention à leur chamaillerie. Ils peuvent être utiles, mais il faut choisir soigneusement notre chef suprême. Ouais, Je n'aurais pas dit mieux. Je suis puissant, hargneux, pote d'Holog. J'aimerais bien avoir Ratbag quand même, hein. De retrouver Ratbag. Tuer l'Overlord principal, mais regarder Ratbag, ce serait bien stylé. Mais what the fuck? J'ai même pas tué d'Overlord. Comment le... Chef suprême battu, mais je l'ai pas battu. Le gros Lologai là, il demandait pas à ce que... Il fallait que je le tue, je pense. Ouais, un peu déçu par cette forteresse. Nommez votre chef suprême. Ah, donc je peux pas mettre Bruce, d'accord. Ratbag non plus, il est pas là. Ok, bah, ok. Alors, qui je peux mettre? C'est quoi qu'on peut pas les voir en gros là? Bûche, but. Ok. Takra, l'ivrogne, ouais, ok. C'est quoi qu'on peut pas les voir en gros? Je vais être Pache. Ou le plus fort peut-être. C'est qui m'en garde du corps? C'est lui, je crois. Snafu. Bref. On va mettre lui. Ah lui il est stylé ouais. Ouais il est pas mal lui. Ah si d'accord on peut voir comme ça d'accord. Ça. Ouais on va mettre lui. C'est parti. Il est stylé. Voilà.
Maintenant, nous avons un pied dans le Mordor. Nous devrions renforcer nos défenses avant que Sauron ne tente de récupérer ce qu'il a perdu. J'ai ça. Un nouvel anneau. Qui m'apporte plus. Je vais faire. Je vais vendre tous mes trucs en offre. Hein. Ça sert à rien de nous le faire maintenant. Et le Palantir est revenu à Minas Morgul. Réfléchissons. Stylé ça, c'est ma forteresse maintenant. Alors, quelle est cette nouvelle quête? Une conquête. Hop. La forteresse de Nanin à Normen est à vous. Ce n'est cependant que la première bataille de la guerre pour le Mordor. D'autres forteresses restent à prendre. D'accord. Il y a un truc que j'ai failli oublier de te dire. Maintenant que tu as mon fort, il va bien finir par se faire attaquer. Ça, c'est quelque chose, vu que tu l'as attaqué toi-même. Beau boulot, au passage. Le truc, c'est que rien t'oblige à rester en défense. T'as des éclaireurs qui peuvent repérer les forts ennemis pour que tu puisses les attaquer. Tu sais ce qu'on dit ? La meilleure attaque, c'est une bonne attaque. Et t'en fais pas trop si jamais tu manques d'orques. S'il te faut des recrues, tu peux aller voir un globe qu'on appelle le chasseur de tête. Il t'enfilera. Oh, chac ! J'ai oublié de remplir la gamelle de rôdeur en partant. Il va être grognon si j'y retourne pas. J'arrive, rôdeur ! Mais comment... Putain, mais comment elle a laissé son pouvoir sans dire un mot à l'autre ? C'est ça que je comprends pas. Conquête en ligne. Maintenant que vous contrôlez une forteresse, vous pouvez lancer des attaques contre celles des autres joueurs. Ok, ok. Pensez à bien assurer votre propre défense depuis sa chef de guerre. Ok, ok, ok. Ça marche. D'accord, en fait, c'était pas du tout une mission, c'était juste pour nous expliquer ça. Alors, quelle est la nouvelle quête? Chaque forteresse dispose d'un terrain d'entraînement, mais rien n'est plus efficace que les fosses de combat pour permettre aux orques d'améliorer leurs aptitudes. Bruce en est l'expert incontesté. Hop. C'est quoi ça? Conquête en ligne, d'accord. Bon, on va continuer... Les missions, les quêtes, ça a très très bien commencé, ce début de vidéo. Comme je vous le dis, un peu déçu par la fin, parce que j'ai pas tué d'Overlord. Le mec s'est laissé faire comme ça, avec le simple mot. C'est vrai. J'espère qu'il y aura une place pour nous. Paf. Allez, on va voir un petit peu l'arène. La fosse de combat. Ah, les fosses de combat. Tu sais, c'est bien plus qu'un endroit où on fait sauter des têtes. Même si j'avoue que je me lasserai jamais de cet aspect. C'est aussi là que tu peux éprouver tes partisans. Pour voir ce qu'ils valent face à un autre Gugus. Il y a toujours des orques costauds à combattre. Et si ton copain survit, il en sortira plus fort. Si casse sa pipe, ça veut dire que le gars en face a du cran. Ça peut te faire une bonne recrue. Et peu importe le résultat, tes gars vont adorer le spectacle. Rien de tel pour le moral qu'un cadavre à terre. Mais les gars, tu t'es rangé dans le mauvais camp. C'est qui lui? C'est un de mes gars, mais il se combat contre un... Wow. C'est un hologramme Yonda, ça? Bah, il est mort. Golem dans noir, ok. Alors, c'était pas agréable? Un peu de grog, pas mal de rire, beaucoup de sang, et encore du grog. Ah, j'adore les fruits de combat. Ok. Ok, ok. Maintenant que vous contrôlez la région, vous pouvez envoyer vos partisans combattre dans les fosses. Le niveau des partisans qui survivent augmente. Mais souvenez-vous que celui-ci ne peut jamais dépasser le vôtre. Pour envoyer un partisan combattre un orc ennemi, rendez-vous au... D'accord. Point de départ de la mission des fosses de combat. Chaque région contient 3 combats à difficulté croissante. Gagnez un combat, déverrouille le suivant. Veuillez gagner tous, déverrouille l'amélioration citadelle pour la forteresse de la région. Vous pouvez aussi amener 2 partisans à se battre l'un contre l'autre en leur donnant l'ordre à partir du menu armé. Cela crée
une notification de mission des fosses de combat pour les partisans. Ok. Ouais, ça me plaît bien ces fosses de combat là. Hop, du coup la région est à moi. Nouvelle région déverrouillée. Ça marche. Ah, j'en ai deux d'un coup comme ça. On va aller là, hein, c'est Régost. Je pense. Bien des Gondoriens ont péri lors de la chute de Mina Sithil, mais certains ont été faits prisonniers par l'armée de Sauron. Découvrez le sort d'Edril et de Baranor. Hop, on va aller là-bas. Hein. Ah, la région enneigée. Une nouvelle ère commence. Putain, il est beau lui. Un beau maraudeur. Et là, l'arbalète à tir rapide est vraiment très puissante. Hein. Je me suis déjà fait allumer par ça. Ça fait mal. Hein. Ok. Faut mettre un peu de fourrure là, il va faire froid. Vous pouvez désormais voyager à travers le Mordor. Ce qui vous donne accès aux défis. Relevez des défis pour améliorer vos aptitudes. Et gagner des récompenses. Vous pouvez consulter vos défis dans le menu quête. Ok. Alors, venger les joueurs vaincus à Nourmen. Ok, ça a des défis quotidiens. D'accord. Ok, ok. Marche sur le Mordor. Ok, ouais, ok. En fait, t'as plein de défis comme ça. Ok, ça marche. C'est pas ce qui nous intéresse. Tac, on va directement placer un marqueur par ici. Et du coup là, on a plus de... Je pense qu'on a plus d'armée du coup. Parce que c'est une nouvelle région. Hop, je me trompe, c'est option peut-être. Voilà, donc on a plus d'armée. Ok. D'accord. Du coup, ouais, surcroute des petits partisans pareil. Bah, surcroute des... Si on trouve des capitaines par là, vaut mieux les dominer. Donc c'est là, je vais pas mettre un repère sur la région bloquée. Sur la quête bloquée, ce serait con. Il reste encore des Gondoriens dans voilà, le Mordor. Voilà. Ils ne survivront pas longtemps dans le Mordor. Ce fort a de l'allure. Nous prendrons leur fort et leur trésor. Ouais, mais t'inquiète pas, on va le faire plus tard. Hein. Quand on aura une petite armée quand même. Hop, ils ont pas un monument par ici. Sûrement ça. Tant qu'on y est, hein, on va le détruire. Hein. Hop, comment tu fais? Ça, je trouve que c'est mal foutu un peu ça. Voilà, ça peut être plus sur la tête. Apparemment, je me demande si leur cher monument leur... c'est une cité de maraudeurs. Ah. Ici au Mordor, on ne juge pas. Non. Il est moche. On passe tout de suite à l'exécution. Niveau 27. Anti-saut, d'accord. Ouais, lui va être un peu costaud, je pense. On va bien voir. Allez, approche. Wow, il a des chaînes. Fef. Wow. Ouais, il a de la vie, hein. Vache. Ouais. Ça a l'air d'un sacré orc. Non, ça va, je l'allume assez. Ah lui, un petit saut, c'est vrai. Hop. Est-ce que t'as des fûts de groupe par ici pour l'allumer la gueule? Allez, approche. Toujours un peu se mettre en retraite pour voir un petit peu ce qui se passe. Approche Mino. Je l'ai même pas eu je crois. Quel coup. Ah si. Ah, merde. Non, quand t'arrives par derrière comme ça et qu'il te voit pas, tu peux faire une petite truc furtive, hein, ce serait pas mal. Hein. Enragé par le poison. Bah tu seras enragé, écoute.
Wow, wow, wow. Voilà. Déjà rien que ça, ça me fait plaisir. Rien que pour jouer comme ça, sans faire de quête et tout, moi ça, c'est un truc qui détend. Oula, il a quand même pas mal de vie d'enlever. Ça fait plaisir. Il est mort. Hop, niveau 20. Ça fait du bien ça. Hop, une cape. Plus 6. Hop, on va la mettre. Et aussi, il faudrait que je forge des gemmes là. Pour avoir plus de capacité. Parce que c'est vrai que j'y pense pas. Mais je le ferai en off aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter à d'autres bêtes? Le spectre peut-être. Récupère automatiquement le butin sur des ennemis vaincus. Oh, ça c'est cool. Parce que je me fais chier à chaque fois à faire R1. C'est pas un truc pour du pouvoir, mais c'est le côté pratique qui va être cool. Allez hop, c'est parti. On va avancer un petit peu. En fait, je suis même pas sûr qu'on va faire cette quête. Hein. On va plutôt taper un peu de l'orque. Dominer de nouveaux capitaines, etc. On fera ça plus tard. Parce que là, on tape une nouvelle région. Ce serait bien d'avoir quelques alliés. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous avez pas trop le choix parce que ça se décide sur le moment. Bam! Hop, c'est parti. Hop, deux capitaines. On prendra le meilleur des deux. Ou pourquoi pas les deux. Ils sont assez costauds dans cette région. Hein. Oh, ça va, 20 et 18, je peux les prendre, les deux. D'accord, en fait, il y en a un qui va crever. D'accord. Quoi, qu'est-ce que je fais? À l'épreuve des flèches. Hop, je vais essayer de sauver l'autre. En le dominant. Ah merde, pas lui. Tant pis. Hop. Allez. Hop. Voilà, comme ça me fait un allié pour abattre l'autre. Recruter. Hop. Restez spot pour moi. Voilà. Et l'autre, je vais le ken aussi. Ou le dominer plutôt. Je pense que s'il est du même niveau que moi, c'est bon. Ah non, mais de toute façon, il est niveau 19. Moi, je suis niveau 20. Donc, il y a peu près de qui se fasse poser. Merde, c'est vrai qu'il a l'épreuve des flèches. Waouh. Les hologuys, c'est pas si puissant que ça au final. Hein. Il suffit de taper au bon moment et... C'est stylé quand il y a Celebrimbor qui se bat à côté de nous là, c'est stylé. Waouh. Aïe. On voit assez fou. Quand on tape comme ça avec des assommes, ça fait assez mal. Mais ce qui est cool, c'est que pour les esquives là, t'as un petit temps ralenti du coup. Ah non, pas là par contre. Oh, c'est stylé quand tu déboîtes le mec avec Ah bah non, bah il est mort. Bah désolé mec. Ça me fait quand même un petit partisan. Voilà. Allez mec, pas toi. Mec excellent, ça me fait rire. Ah mais du coup les équipements. Ah oui d'accord, faut que je passe dessus quand même, faut pas que je passe R1. D'accord. Je passe juste dessus et. Plus 25. Hop, je le prends. Je passe dessus avec Talion et puis hop, il est direct à moi. Ok. Ça roule. Il y a encore une petite quête par ici. Je la vois sur la minimap. J'espère que c'est en haut. Ouais, c'est là. Un piège.
Le chef de guerre a tendu un piège, a tiré le en déclenchant le piège. Okay. Ce chef de guerre croit nous avoir manipulés. Montrons-lui à quel point il se... C'est un chef de guerre. Ok. Bof, intéressant. Ça va affaiblir l'armée, ça. Grandement. La forteresse, surtout. Hop. Frappe de l'ombre mortelle. C'est l'objectif. Voilà. Allez, faut que je teste ce truc aussi. Quand tu fais ça... D'accord. Parce que quand tu fais bas, maintenant c'est pour donner l'ordre d'attaquer. Dans l'ombre du mordeur, quand tu faisais bas, ça les tuait. Et quand tu faisais haut, ça donnait l'ordre d'attaquer. Là, t'as plus le... Tu peux plus les tuer... avec une touche directionnelle, il me semble. Je me trompe peut-être. Allez, je t'attends. Niveau 28, quand même. C'est typique des sales peaux roses. Ils mentent à l'hameçon et ils tombent tout droit dans le piège. J'ai pas de garde du corps sur cette région. J'aurais dû mettre... Je me suis entraîné très dur. Moi aussi. Et moi aussi. What the fuck? What the fuck? C'est triplé ou quoi? What the fuck? Oh, y'a un piège. Ça va leur faire mal, ça déjà. Activez la rage géolifique. Oh, c'est stylé. Oh, bah là. Oh, bah là, mes cocos. Oh, what the fuck? 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 Je sais même pas ce que je fais, je sais même pas ce que je contrôle. What the fuck? C'était stylé. Ça c'était trop stylé. Ah l'enfoiré. Moi je suis trop content du move que je viens de faire là. Allez hop. C'est bon. Ouh, j'ai eu peur qu'il me frappe avant. Rabaisser le niveau. Hop. C'était un gros bug tout à l'heure parce que les trois c'était Ogbour le farceur et puis là. Ah, ce que je vois, c'est trois mecs différents. Du coup, terrifié. Hop. Vous êtes tous terrifiés, les gars? Ça craint, hein. Hop. Tu mettras au moins, toi? Maintenant, il est niveau 23, je crois. Merde, tu peux pas. Combat à mort, allez. Je vais purifier le bonhomme. Je sais toujours pas ce que ça veut dire purifier. Hein. What the fuck, what the fuck. Petit caragor là. Dans la tête. Bam. Moi qui s'est enfui. Oh la vache, on va bouger. Avec la perte de concentration. Oh bah il est mort empoisonné. Oh bah comme ça. Putain, il y a beaucoup de capitaines dans le coin là. Vache. Oh la vache, stylé ça. Ah putain, c'est chiant quand il a plus de concentration. Il y a un truc épique là-bas, je vais essayer de le choper. Approche-toi! Ne reste pas si loin et viens goûter à mon feu! Allez, moche! J'ai pas pu le taper. Oh la vache, les caragors aussi. C'est costaud ça. Allez! T'inquiète pas, je vais t'allumer la gueule. What the fuck? Je vais prendre un caragor avec moi, je pense. Allez, viens là. Maintenant, finis la comédie. Putain, il a un bouclier, cet enfoiré. Oh merde. Mon pauvre caragor. Allez hop, tout explose.
que j'aime pas, c'est les mecs avec, surtout avec les boucliers là. C'est de la crasse. Allez, maintenant qu'on est à terre, je vais t'allumer la gueule. Mec, il est gelé H24. Ah, mais les Karagor, c'est vraiment de la crasse. Hein. Cassez pas à toi. Oh la vache. Karagor, je vais le choper parce que... Hop. Voilà. Parce que sinon, les Karagor, putain, avec les esquives et tout, ouais, on a déjà bien à faire avec tous les orcs. Oh la vache. Je sais pas comment ils sont empoisonnés, les gars, ça doit être les... Ça doit être ses potes qui l'empoisonnent, parce que moi j'ai pas du tout de sort de poison et le mec il empoisonne pareil. Ah l'enfoiré. Oh la vache! La vache! Ouais, en fait il se fait défoncer par ses potes. Ça c'est bon. Putain, je suis vraiment mais mauvais, j'arrive pas. Je vois pas les esquives, j'en sais rien, mais putain, je me prends à chaque fois une flèche par ici, par-ci, par-là, c'est chiant. Allez, approche-toi. Non, pas toi. Toi. Allez, viens, je t'attends. Par contre, ouais, je suis en train de me brûler, je fais n'importe quoi. Ouf. Ah. Il est bientôt à moi. Et hop, une flèche dans le ventre, et il est mort. Ouf, c'était chaud. Hop, terminé. Une armure. Moins 4. Je ne la prendrai pas. Bon, on va tenter un dernier chapitre là, qui est par ici, dernier chapitre, n'importe quoi. Une dernière épreuve. Ogbur le farceur. Ah, en fait, c'est Ogbur le farceur que j'ai vu tout à l'heure. Oh, on va peut-être pas la faire. Hein. Pas celle-là. En tout cas, s'il y a un truc à côté, on va essayer de le faire. Mais. Non. On va pas faire ça. On va juste détruire ce monument avant de mettre fin à cette vidéo. Voilà. Putain, j'ai assez mal quand même. Je vais essayer de drainer quelques orques pour me requinquer. Allez, toi, viens par là. Merci. Merci de ta loyauté. Oh la vache. Mec, j'ai essayé de viser pile poil sur le bordel, voilà. Ça a foiré, un tout petit peu quand même. Hop, monte sur la tête. Détruit. Pef. Je sais pas ce que ça fait vraiment, mais bon. Hop, une petite scène de combat. Avant de finir cette vidéo en beauté. On a quand même pas mal de bonhommes. Hein. Ce qui est chiant, c'est les archers là qui sont trop loin. Toi, t'es en pleine scène de combat et puis ils placent des petites flèches comme ça. Et ça te nique tous tes combos. Et ça, c'est assez chiant. Oh la vache, dis mon œuf. Bon, on va plutôt fuir, hein, ce sera plus simple. Putain, y'a encore des mecs empoisonnés quoi. Bof, on va partir. Hein. C'est pas que vous me faites chier, mais un peu quand même. Surtout que vous servez à rien. Là-bas y'a un capitaine aussi. On va essayer de se le tarter. S'il est pas trop loin. Paf. Normalement il devrait pas être trop loin, on va voir ça. On va essayer de niquer. Paf. Ouh. Lui je l'ai fait mal. Allez, à part là. J'ai survécu à bien des guet-apens, l'immortel. Et ce n'est pas le tien qui aura raison de moi.
Viens par là, mec. Ouf. Ça va, il a l'air faible. Le mec, il fait des roulades au calme. Une dans chaque côte. Dans chaque côté. Oh. Vache. Il est chaud là. T'es où, mec? Pef. Hop, un mort de plus, sûrement. Oh non, même pas. Tu veux venir avec moi? Non, peut-être pas. On va le tuer. Voilà. C'est pas la plus belle des morts, mais il est mort. Voilà, voilà. Une rune encore. Plus 3. Hop, on va la mettre. Et voilà. On va se retirer un petit peu. On va se mettre un petit peu à l'abri. Talion a bien souffert. Voilà. Peut-être aller par là. Voilà. Bon les bros, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 8 ou 9. Je ne sais même plus où j'en suis. Allez, tous les broches.